Qu'est-ce que tu vas faire avec ton employé? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Je le renverse en voiture. Vous venez me voir? Oui, t'as 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire après ton stage? Je sais pas. Ça te plairait de bosser ici? C'est qui? Un jeune en réinsertion que Jacques avait pris en stage. Pourquoi t'es habillé comme ça? Il y a quelque chose de spécial? Mais tu l'as embauché? Je t'emmène en ville. Enfin, pourquoi t'as fait ça? Ça fait un moment qu'on envisageait de trouver un coursier. Il n'y en a jamais eu besoin ici. Mais qu'est-ce que t'en sais si j'en ai pas besoin? C'est tout ce que t'as comme veste, t'as rien de plus chaud. Non, on va trouver autre chose. Il me touche ce monde. Tu trouves pas touchant, toi? Si, si. C'est quoi cette voiture? C'est la mienne. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu le traites mieux que ton fils. Oh. Qu'est-ce qui te prend avec ce type? Merde. Bonjour. Vous voulez un renseignement? Bonjour. Il est au courant. Je voudrais parler au responsable de l'hôtel, s'il vous plaît. C'était qui, cette femme? Elle fait une enquête sur un client qui est passé ici. Je dois interroger vos employés. Ah oui, je vois pas ce qu'ils vont vous apprendre de plus que ce que je vous ai déjà dit. Apparemment, il a disparu. Et comme la dernière fois qu'il a été vu, c'est ici, ben... Comment ça, il a disparu? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Pourquoi M. Couvreur vous a changé de poste? Je sais pas ce que vous cherchez, mais je commence à en avoir assez. Vous me faites perdre mon temps, là. T'inquiète pas, on peut lui faire confiance. Comment tu peux en être sûr? Il a fait de la prison, quand même. C'est dur passé, non? Non, bien sûr. Tu peux savoir ce que tu cherches? Laisse-moi partir.